Donc, je voulais vous présenter donc, une expérience qu'on mène depuis 4 ans à un Master 1 de physique d'inversion totale. Donc, avec mon collègue Jean-Pietro Cagnoli qui fait les TD, moi-même. Donc, c'est un cours qui s'est fait à l'Université de Lyon 1. Et donc, bon, au cas où il y a quelqu'un qui ne connaît pas l'inversion, ça commence à la maison. Et donc, les cours doivent être étudiés et découverts par les étudiants à la maison, dans les cas d'inversion, c'est comme ça qu'on le fait. Mais nous, notre inversion est totale, c'est-à-dire pour les TD séparés, l'étudiant essaye de faire les programmes proposés, il dépose des solutions sur le serveur ClaroLine pour l'Université de Lyon 1 et obtient des points. Après, donc à l'université, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'étudiant va participer dans les activités pour comprendre les cours et il présente les solutions qu'il a proposées. Donc il y a énormément d'échanges dans la version complète puisque finalement tous les 4 heures hebdomadaires finalement dans lesquelles on est en présentiel avec les étudiants sont destinés à travailler sur ce qu'eux ils sont étudiés. Alors bien sûr il faut appliquer la recette de Christelle. On arrive le premier jour, je passe une heure à leur expliquer la méthode, mais je leur laisse bien clair quelles sont les contraintes. Donc, les premiers cours, les vrais cours, la séance suivante, on se retrouve toujours avec 30% d'étudiants qui n'ont pas lu les cours. Bah, après, c'est tout le monde. Ça va très vite. Alors, l'intérêt des échanges, c'est que dans tous ces échanges, on va multiplier les opportunités pour détecter des difficultés et modifier des choses. On va remédier donc ces difficultés en se focalisant sur les points qui posent problème. Il y a, bien sûr, moi, du premier cours, j'apprends par cœur tous les noms des étudiants. Donc, comme ça, on échange et ça se crée une dimension affective qui est super importante aussi pour on est entre personnes, qu'ils soient des étudiants ou des profs, et ça change tout. Et il y a donc la possibilité de s'adapter aussi, parce qu'il y a toujours des étudiants qui puissent avoir des besoins spécifiques, soit parce qu'ils sont en handicap, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont des sportifs de haut niveau, il y a plein de choses. Donc là, c'est très intéressant ces échanges. Alors, j'ai parlé d'inversion, mais c'est un cours qui est inversé, mais c'est des classes actives, constructives, puisqu'on construit ensemble avec les étudiants les cours, et très interactif. Alors, je précise un peu plus, c'est Master 1, c'est 30 heures de cours et 30 heures d'ETD, plus un colloquium, c'est-à-dire un congrès où c'est les étudiants qui présentent leurs travaux. Et les taux d'inversion, comme je vous ai dit, il est de 100%, même si je dirais, bon, 100%, ça serait si l'étudiant faisait les cours à ma place, mais je le fais pour un cours. Alors, il y a 2 heures de cours, c'est l'étudiant qui fait le cours à ma place. Alors, le support d'inversion, moi, j'ai, contrairement à mon collègue Colombani, j'aime bien les papiers. Malgré que les étudiants puissent dire qu'ils sont dans notre génération, je les propose un autre cours. Donc, il y a 13 cours qui sont full papier. Il doit lire entre 10 et 15 pages et les étudier avant de venir en cours. Les fascicules d'ETD également, 50 exercices à faire. J'ai fait quelques capsules vidéo aussi pour présenter des choses plus simples. Et il y a des quiz de consolidation en ligne. On a commencé en quelques-uns et on espère cette année compléter avec des quiz pour tous les cours. Et bien sûr, des documents qui ont transmis d'informations, méthodes, colloquiums. Ça veut dire que chaque cours, j'arrive avec un tas de papiers à distribuer. Bon, c'est peut-être pas très écologique, mais j'ai l'impression que ça marche très très bien. Il y a vraiment les étudiants, les lisent. Alors, les TD, étudiants essayent de faire les problèmes et déposent des solutions, comme je vous ai dit. Il les a déposées et il obtient des points qui vont compter pour l'examen. Et là, on n'est pas regardant si ça a été correctement fait ou pas. Il obtient des points pour avoir essayé de faire. Alors, il y a un contrat, c'est qu'il est engagé à présenter sa solution. Et donc, le contrat, c'est que la présentation, ça doit être quelque chose où il est convaincu. C'est-à-dire, il a compris sa solution, même s'il est fausse. Et là, c'est super intéressant quand c'est faux, parce qu'on peut travailler ensemble pour voir d'où viennent les problèmes. Et les autres, ça travaille individuellement en groupe. Et on essaie de les motiver en groupe. Cette année, on a eu des groupes qui se sont formés, des gens qui disent « Ah, moi, je suis bon en physique statistique, venez me voir, on va travailler ensemble. » Quand ça marche comme ça, c'est la coopération, c'est génial. Alors,
Les cours, l'activité, c'est des quiz avec différents supports. Les travaux sur des documents, ça peut être une démonstration, une discussion sur un thème, des mini-exercices. Les travaux collaboratifs, c'est fait, il y a des parties en binôme ou en groupe. On fait des débats, des confrontations et des présentations des étudiants de certaines parties du cours, dans certaines occasions. Donc, j'essaie que ça soit très, très varié. Donc, voilà quelques exemples. Il y a des photos qui sont vraiment de mon groupe, d'autres pas, ou d'autres groupes plus petits. Hein. Mais, bon, on utilise différents types de supports. Alors, le déroulement du TD, là, l'étudiant présente, il est choisi au hasard parmi ceux qui ont déposé une solution. Et la solution peut être projetée, et donc l'étudiant la commente, ou faite au tableau, au choix. Et donc, comme on dit, la compréhension est contractuelle. Des points additionnels, et là, on essaie de motiver les étudiants à être en communication avec les autres, transmettre, s'ils sont clairs et pédagogiques, des points supplémentaires. Et bien sûr, il y aura des compléments d'explication de l'enseignement et une solution de l'enseignant proposée sur Claroline pour qu'elle puisse vraiment vérifier. Donc finalement, il y a que 30% de la note que l'examen final. Et les quiz qu'on fait à la fin de chaque chapitre, donc on maintient un niveau important des contrôles continus, les mini-colloques, un rapport, une présentation, et les TD, ben, ça complète l'ensemble de la note. Donc les cours évalués à mi-parcours par les étudiants, ce qui nous permet de corriger immédiatement, mettre en œuvre des améliorations qui sont visibles tout de suite par les étudiants. Je peux vous assurer qu'ils apprécient ça. Quand on change quelque chose parce qu'il vient de le dire. Alors, quelques retours réflexions. Bon, l'évolution des étudiants est devenue très positive au bout des 4 ans. La première année, c'était moins positif. Hein. Et donc, réduction progressive des démences. Et alors, une convergence entre nos discussions, c'est qu'on ne peut pas peut-être inverser tel qu'on l'a fait tous les cours. 50%, c'est pas mal parce que finalement, je suis très content de ce qu'il me dit. Qu'est-ce qu'on travaille avec votre cours? Ben oui, c'était l'objectif. Mais bon, si on veut tous inverser, il faut peut-être limiter. La mise en place est coûteuse, ça m'a coûté du travail, mais finalement, j'ai l'impression que les retours sur investissement, ça vaut la peine. Et j'ai l'impression que les étudiants, ils retiennent beaucoup mieux. Au bout de 4 ans, je les retrouve un peu plus tard, ils me disent « Ah oui, je me souviens bien de ce qu'on a dit. » Bon, merci beaucoup.